Clint Eastwood, Gérard Leleu. Clint Eastwood, Milos Forman. Le prénom est lâché un peu trop vite. La salle a compris, le prix Lumière 2011 sera attribué au comédien français Gérard Depardieu. On voulait également récompenser quelqu'un qui est un peu dans l'esprit de ce festival. Quelqu'un qui est un immense artiste, qui a laissé des œuvres qui font partie esthétiquement de ce qu'il y a eu de meilleur dans le cinéma français, mais également quelqu'un qui est populaire et qui est une forte personnalité. Je crois que Gérard Depardieu remplit les critères de ce mode de choix. Un autre Français, le cinéaste Jacques Becker, sera mis à l'honneur avec une rétrospective intégrale en copie restaurée de ses films. Ça nous permet de continuer cette visite au cinéma français d'après-guerre des années 50. Il a fait jouer Gabin, Ventura, donc c'est des grands classiques du cinéma. On trouve dans sa filmographie des films comme Casque d'or, Goupil main rouge, Le Trou, Touchez pas au Grisby. Cette année, 190 séances seront proposées du 3 au 9 octobre prochain dans les salles de cinéma et de spectacle du Grand Lyon. Deux grandes séances à la halle Tony Garnier sont d'ailleurs en vente depuis aujourd'hui. Il s'agit de la soirée d'ouverture et de celle dédiée au jeune public.